fait longtemps que je n'ai pas mangé encore, c'est délicieux comme ceci. Ah maman, comment elle va? Elle va bien. Mmh, d'accord. Sinon, elle a m'appelé là, elle est très contente, c'est la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine? Ah, d'accord. Dans ce cas, Brenda, tu vas commencer à lui préparer un sac. Hein? Tu vas commencer à lui préparer un sac. Là, comme nous avons toujours un emploi de temps surchargé, quand elle va venir, tu vas lui remettre ça. Ah. On sonne à la porte. Ben, elle va ouvrir. Un évangéliste. Il veut quoi? Je sais pas. Elle est entrée. Merci. Bonsoir, famille. Merci, bonsoir. Ok, moi c'est Emmanuel, je suis venu vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu? Oui, monsieur. Oui, mais nous sommes en train de manger là. En fait, je... Écoute, mon ami, tu n'es pas venu nous trouver en train de manger, tu veux directement parler. Ce qui veut dire que tu ne veux pas manger notre nourriture. Bon, asseyez-vous, nous sommes en train de manger. Asseyez-vous d'abord. Prenez place. Asseyez-vous. Brenda, cherche-lui un plat là-bas. Apporte-lui un plat. Et qui se sert. Merci ma Merci vraiment la famille. Je disais tantôt que je suis là pour parler de Dieu. Mon ami, attends. Tu as déjà mangé, non? Je pense que ça suffit, non? Non, mais je n'étais pas là pour la nourriture. Non, écoute. On a fini de manger. Moi, j'ai besoin de digérer et de me reposer là. Alors, s'il vous plaît, monsieur, mettez-vous dehors. Monsieur, j'ai dit mettez-vous dehors. Vous les gens d'église là dehors qu'on voit partout, vous marchez partout dans les maisons. Parce non que monsieur, je ne suis pas... Monsieur, écoutez, je vous ai reçu chez moi, n'est-ce pas? Et je vous ai donné à manger, je pense que ça va. Alors vous n'êtes pas le premier ni le dernier à faire ce que vous avez fait aujourd'hui et maintenant. Vous en avez l'habitude, tous comme ça. Regarde d'abord comment ta Bible est. Ça ressemble à une Bible ça? Est-ce que ça ressemble à une Bible? Et puis tu dis que tu prêches la parole de Dieu. Quelle parole prêches-tu avec les pages déchirées partout comme ça? C'est pas normal. C'est ce qui est... Êtes-vous vraiment sérieux? J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Mettez-vous dehors. Monsieur, j'ai dit, mettez-vous dehors. Monsieur... Avec ce genre de Bible, je ne peux pas recevoir des personnes comme vous chez moi. Non, ça ne ressemble pas au livre d'un homme de Dieu. C'est pas du tout. Je marche tellement pour évaluer. Non, écoutez, n'insistez pas. J'ai dit, mettez-vous dehors, monsieur. Ok, monsieur, je ne veux pas vous manquer de respect. Et la prochaine fois, quand tu auras faim, tu viens encore manger. Je vais te recevoir, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais chérie, ça c'est quel comportement ça? Pardon? C'est quel comportement? Il vient pour comportement vous quoi? Donc tu ne veux plus suivre la parole de Dieu dans cette maison. Non, c'est pas si tu manges aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Mais regarde, son, regarde sa Bible. Ça ressemble à la Bible d'un homme de Dieu. Ça. Mais on ne veut pas la couverture, quelque chose. On veut le contenu de ça. Il n'a qu'à lire tout ce qu'il va lire là-dedans. L'essentiel, c'est qu'on écoute la parole de Dieu. Je vois. Et vraiment parce qu'il utilise trop ça que sa Bible, c'est trop basé.
Non, c'est pas normal, chérie, c'est pas bien, c'est pas bien. Je n'ai pas apprécié ce comportement. Vous dites que j'aurais dû le laisser. Oui, oui. Qu'il dise ce qu'il a dit et puis il va partir. Est-ce qu'il devait faire un autre miracle en dehors de ça? Chaque dimanche, vous êtes à l'église. Il va dire quoi que vous n'avez pas encore écouté? Chaque jour, on dit ce qui est qui peut modifier nos comportements. Donc, s'il voulait encore nous modifier, comme le vilain comportement que tu viens d'avoir tout de suite là, s'il pouvait encore modifier quelque chose là-dedans, ça allait être bien pour vous. Je vois que toi, tu ne veux pas la porte du paradis. Hein. Tu vas rester ici là sur terre. Non, non, non.